Dans cette période de crise sanitaire, nous avons décidé de développer une nouvelle activité. C'est une fabrique de masques et c'est pour cela que je recherche une couturière. Quelles sont vos attentes concernant le profil de cette personne ? Nous avons besoin d'une personne qui maîtrise les compétences de la couture. Vous savez que la couture est un secteur vraiment en tension en ce moment et je vous propose que nous étudions les critères liés à ce poste sous un autre angle. J'ai invité une couturière salariée pour qu'ensemble nous essayions de travailler sur les critères de ce poste. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait travailler sur le profil de poste, sortir des compétences techniques. Et pour ça, j'ai invité donc une couturière à venir nous parler de son métier pour qu'ensemble nous essayions de voir quels seraient ses critères autres que nous pourrions rajouter à ce profil de poste. Au-delà des compétences techniques, en fait, moi ce que je recommanderais comme profil de recrutement, c'est quelqu'un pour qui en fait ça fasse sens, qui aime le travail d'équipe, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, qui soit particulièrement précis ou précise dans ses gestes, et puis qui ait une vraie rigueur, et qui aime aussi façonner, créer une pièce, donc qui ait aussi une vision dans l'espace pour réaliser quelque chose. Oui, effectivement, c'est une approche qui est très intéressante et c'est pas du tout ce que j'avais pu imaginer au départ. Comme quoi, vous voyez, il y a les compétences techniques auxquelles on peut ajouter des compétences dites comportementales, des compétences humaines, on parle de soft skills aussi, qui sont tout aussi importantes que les compétences techniques. Donc je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour travailler précisément sur le profil de poste, sur la définition donc du poste que vous recherchez. Et puis je vous invite aussi à nous rejoindre et à venir participer au Club Égalité. Afin d'avoir des idées nouvelles, nous avons sollicité le Lab Innovation de Pôle Emploi PACA et d'IBM et nous avons organisé une journée d'échanges basés sur l'intelligence collective et l'imagination. Nous avons pu regrouper une trentaine de personnes le 8 décembre 2018 à l'agence Pôle emploi de Cannes. Lors de la création de notre groupe de travail, nous avons pu remarquer que les métiers en manque de mixité sont aussi liés à des métiers en tension où les employeurs se plaignent du manque de candidatures. Le chantier était vaste car il s'agissait de faire changer les représentations pour les demandeurs d'emploi et les employeurs sur l'image des métiers. Beaucoup de mesurettes ont été expérimentées. Elles produisent peu d'effets, voire elles renforcent les représentations de genre. Même si l'on dit « il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme », on est encore dans une terminologie qui dit le contraire. On a voulu rouvrir la réflexion autour de l'échange et de l'expérience des acteurs de l'emploi, des demandeurs d'emploi et des entreprises. L'objectif est de réfléchir à des nouveaux formats d'approche, notamment en repensant les forums emploi qui, sous leur format classique, ne favorisent pas la mixité des métiers. Il s'agit de rencontres d'un nouveau genre. C'est atypique dans le sens où les personnes qui se rencontrent sont des personnes en recherche d'emploi, des entreprises en recherche de potentiel et il y a également des témoins métiers. Ces rencontres, elles ont lieu au Cirque de la Roquette-sur-Siagne, le 10 octobre 2019, au Cirque. Donc c'était vraiment un lieu particulier. Et en fait, c'était vraiment vivant, coloré, artistique. Les personnes se sont rencontrées de manière totalement informelle, ont échangé, mais évidemment autour de secteurs d'activité en haute tension, que sont le transport, la santé, évidemment, le service à la personne, chauffeur poids lourd, le numérique. C'est en haute tension, comme je venais de le dire. Cependant, ça n'échappe pas aux règles du genre. C'est pour ça qu'on a fait ces rencontres atypiques. La rencontre, elle s'est faite déjà le matin. Il y a eu des petits questionnaires, des jeux, des escape games. Et ensuite, les rencontres réelles ont eu lieu après le repas, parce qu'il y a eu un repas avec tout le monde, pour bien échanger encore et briser la glace. Et l'après-midi, on a été sous le chapiteau. Il y avait des petits manches debout,
les ballons, il y avait les trapèzes, enfin vraiment la petite vie du cirque. Et chacun se rencontrait sans savoir que c'était une entreprise ou un candidat ou une candidate à l'emploi. Donc vraiment, ça s'est fait comme ça.